Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode de nuit. Bien sûr, mais après ce qui est arrivé... Écoute, oui, ce connard a pris ma caisse, mais je vais pas me laisser faire. Bon. Je la récupère et je suis partante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se faire des courses comme ça, attendez. Ah, il faut réputation 11. Et moi, je suis quoi, 9? Bah écoutez, on n'a pas le choix. On va se faire des... Par contre, il y a ces types qui massacrent tous ceux qu'ils affrontent. Un crew qui se fait appeler les Dream Killers. Il paraît que la Ligue les a remarqués. J'aimerais qu'on leur botte le cul et qu'on prenne leur place. On commence quand? Ils te connaissent pas. Fais en sorte que ça change. On reste en contact. Il va falloir faire 2-3 courses. C'est Wayne. J'ai un plan qui pourrait bien t'intéresser. Sur un vrai tracé, sans tour de chauffe. Retrouve-moi, on va s'éclater. J'ai pas le temps. Donc là, il va falloir qu'on gagne en réputation. Alors après, vous gagnez en réputation avec les flics aussi. Hein. Parce que la nuit, il y a les flics. Donc pendant les courses, il peut y avoir des courses poursuites avec les flics. Et il faut leur échapper, parce que sinon, vous perdez toute la réputation que vous avez gagnée pendant la nuit. Et surtout, vous perdez du fric, je crois, aussi. Donc c'est un peu chiant. Si je pouvais les niquer le plus vite possible. Vous voyez, on vous dit en plus combien il vous manque de réputation pour passer au niveau supérieur. Vous avez votre compteur de réputation de la nuit en haut. Oui, oui, oui. Il y a des voitures qui arrivent dans tous les sens là. C'était compliqué un petit peu. Vous allez voir que là je vous parle des flics et je vais réussir à faire une course sans les voir. Ce qui serait quand même un exploit parce que je suis pas sûr que. J'ai réussi à le faire une seule fois de nuit, ça. Merde. Ne lève pas beaucoup cette voiture-là, par contre. Mes réglages live est rechangé. Vous voyez, de nuit il y a plus d'effets de lumière et tout, c'est un peu plus sympa quand même visuellement. Mais en fait voilà, le jeu faut l'alterner jour nuit pour gagner et de l'argent et de la réputation. Pouvoir progresser parce que sans la réputation au bout d'un moment même si vous gagnez de l'argent vous pouvez plus avancer. Putain, vous êtes obligé d'aller gagner de la réputation la nuit. Je me concentre un petit peu. Hein. Oh putain. En plus les flics, quand ils vous collent, c'est chaud parce que
c'est juste que cette voiture-là, elle ne drifte pas beaucoup. On va continuer parce que là, j'ai pas atteint mon quota. Hein. Après, les flics ils peuvent vous poursuivre même en dehors des courses là, par exemple là si j'en croise un en roulant comme ça il va essayer de me niquer hein. Bon, vous m'en voulez pas, vous allez entendre gratter comme d'hab hein. De toute façon vous êtes habitué. Essayer de gagner de la répute. Mais bon, au final, ils ont fait beaucoup de pubs avec ça et tout, les courses de jour, machin, les courses de nuit, les trucs. Mais le jeu sans être mauvais. Merde. Oh là là, je me suis totalement. Totalement gouré de route. Le jeu sans être mauvais, il est pas fou. Ils en ont fait beaucoup pour pas grand chose. Quand même. On va faire attention cette fois à la route. Et là, à mon avis, les flics, on va se les coltiner parce qu'ils sont pas très loin. Qu'est-ce que c'est que ce circuit? Je vais jamais y arriver, moi. Je vais me gourer une fois sur deux, ça c'est sûr. Faut que je me concentre un petit peu. On va dire que c'était à peu près ça. Depuis tout à l'heure, je vous vends les flics en vous disant qu'ils sont relous. On va pas les voir une seule fois. Après, bon, je vous dis, le jeu, il est pas fou. C'est non, je trouve que oui, effectivement, ils en ont fait beaucoup pour pas grand chose. Par contre, ça y est, il y a des flics dans la course. Par contre. Il y a bien un petit point positif quand même. C'est tout l'aspect modif de voiture et tout. D'ailleurs, quand vous achetez une voiture, il y a une note de modif dessus. Pour vous dire, voilà, si vous pouvez plus ou moins la modifier. J'ai l'impression qu'à cause des flics, il n'y a plus personne qui fait la course. Ils se sont tous détournés de la course. On dirait. Et quand on regarde la map, ils prennent pas du tout la route qu'il faut.
c'est pas plus mal, ça va me faciliter la vie. Ah ouais, ils l'ont carrément arrêté la course. Ce serait pas mal qu'on arrive au niveau 11, donc on va essayer de continuer. On peut aller par là. Bon, ben on va aller par là. Ouais, tout l'aspect modif et tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses. Et puis bah comme je vous disais, plus ou moins selon les voitures en plus. Donc ça c'est plutôt bien. Après pour ceux qui ont fait le reboot là en 2015, c'était, il est sorti je crois déjà. Bah vous commencez à savoir hein. Garder un peu le même esprit. Attendez, je regarde un truc vite fait. Non, parce que j'ai l'ordinateur avec lequel j'enregistre ma voix qui voulait redémarrer. J'espère qu'il va pas le faire. Il y avait un flic sur la route, là, il m'a pas grillé. Après, pour garder votre réputation, la réputation que vous avez gagnée pendant la nuit, il faut aller dans une planque, en fait. Et vous repassez 2 jours automatiquement. Normalement. Mais ça vous permet de garder la réputation que vous avez accumulée pendant la nuit. Vous. J'essaie de me concentrer un petit peu. M'en voulez pas. Parce que parfois ça va un peu vite, il y a un peu beaucoup de trucs qui s'affichent là avec les lumières et tout. Après bon, vous voyez la circulation, c'est surtout choquant en plein jour. Bon, pendant les courses en plein jour, c'est normal, c'est des courses officielles, donc c'est sur des circuits fermés. Mais quand vous vous baladez dans la ville en plein jour, il n'y a jamais personne. Vous croisez une bagnole de temps en temps. C'est quand même pas GG. Enfin, quand on voit des Forza Horizon à côté. Moi je comprends pas que les mecs ils s'obstinent à continuer de faire ça comme ça. Tu vois ce que fait la concurrence par exemple, bon bah. À un moment donné, fais un effort. Bosse plus longtemps sur ton jeu. Et fais un effort. C'est pour ça, là, cette année, on n'a pas eu de Forza Motorsport, on n'aura pas de Forza Horizon. Pour une simple bonne raison, que les mecs ils vont bosser pour la prochaine génération de consoles. Hop, putain. Et pour qu'on ait des vraies améliorations. Sur les épisodes qui sortiront. Sur cette prochaine génération, justement.
si c'est pour nous faire la même chose sur les nouvelles consoles, ben voilà, c'est pas la peine. Donc ils vont bosser. Voilà, ils devraient faire pareil. Qu'ils arrêtent pendant un moment et qu'ils bossent réellement. Quoi. Pour nous faire un truc... avec de réelles améliorations et des nouvelles idées. Et qu'ils arrêtent surtout ces scénarios à la con. Là. Hop, voilà. Fin de c'est nuit. C'est bien, t'es sur la bonne voie. Ça va payer. En plus, on a pris de l'argent. Et donc, vous voyez, on débloque des voitures. Voitures qu'il faut acheter, hein. Bien sûr. Elles sont pas débloquées, genre on vous les donne. Hein. Hey, comment va Wayne? T'as initié au secret du drift? Là, vous voyez, on débloque aussi des nouveaux articles. Que je vais pouvoir acheter avec tous ces moteurs, vous voyez aussi les moteurs que je débloque pour swapper la voiture. Là, je débloque beaucoup de choses d'ailleurs. Les pneus drift, tout ça. Bon, après, c'est débloqué, mais c'est débloqué à acheter quand même. Il me manque un petit peu d'argent, mais je pense que c'est le prochain truc que je vais acheter. À moins que je puisse mettre les pneus. On va mettre les pneus drift déjà. Et donc là, boum, on peut repartir deux jours. Mais on va pas continuer... Continuez là pour cet épisode. Hein. Les Dream Killers, ils ont vu tes performances. Ils sont quelques-uns à vouloir courir avec nous. Ce sera pas une vraie victoire, et ils appellent ça une session d'entraînement. Mais ça reste une belle occasion de calmer leur ego. Ouais, t'inquiète. Bah, le problème, c'est que la fourrière ne sait pas où est ma voiture. Comme si on ne l'avait jamais embarquée. C'est bizarre. Carrément. Désolé, mais cette fois, ce sera sans moi. Bonne chance. Bon, ça glisse un peu plus, là, déjà. C'est mieux. Mais j'ai pas la voiture idéale hein, pour faire du drift. Clairement. Bon, écoutez. On va s'arrêter là, et puis je pense que je ferai pas d'autres épisodes. Hein. Ça a permis de se détendre un peu. Et puis... Et puis voilà, de montrer éventuellement à ceux qui n'avaient pas vu le jeu, vraiment, à quoi ça ressemble sur PC. Le jeu est en ultra, avec une résolution, je sais plus, supérieure au 1080p. Bah, de toute façon, je peux vous montrer, hein, voilà. En 2715 par 1527. J'ai laissé à 100% ce truc-là, par contre. Pour garder toute la fluidité. Et après, tout est en ultra. À part la profondeur de champ qui était en élevé, voilà. C'est donc tout est en ultra. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.